party. Moment of joy. Also difficult moments. We go through those moments. You allow us to have faith. You allow us to go forward in faith. And in the knowledge of God, His person, and of Jesus Christ, His Son, qui est mort à la croix pour nous. Who died on the cross for us. Merci Seigneur. Thank you Lord. Pour la santé. For the health. Que tu nous as accordé. You gave us. Il y a des moments où nous sommes tombés malades. Some moments we fall sick. Mais la Bible déclare. But the Bible says. Le malheur atteint souvent le juste. The righteous is often attacked. But the Lord always delivers him. Merci Seigneur. Thank you Lord. Tu n'as jamais dit. You never said. Il n'y aura jamais de tempête. There will be no storm. Tu n'as jamais dit. You never said. Il n'y aura pas de tempête. There will be no storm terre, on the earth in our lives. Dit, but you said, let's go to the other side. Let's go to the other side. Merci, thank you, Lord. Tempêtes, because although the storm, bord, we go to the other side. And we are some hours to the other side. 2014, because we see 2014. And for that, we clap you, Lord. We clap you, Lord. We clap you, Lord. We clap to Lord. Simple. And give intelligence to the simple. Instruis-nous par ta parole. Instruct us by your word. Ta parole est la vérité. Your word is the truth. Libère-nous par ta parole. Set us free by your word. Ta parole est la vérité. Your word is the truth. Guéris-nous par ta parole. Heal us by your word. Ta parole est puissante. Your word is powerful. Restaure-nous par ta parole. Restore us through your word. Ta parole. Your word. Quench our thirsty. Qui nous abreuve. Remplis-nous de ta parole. Feed us with your word. Nourris-nous par ta parole. Feed us by your word. Ta parole est une nourriture. Your word is a food. Merci Père éternel. Thank you Father Lord. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Nous avons ainsi prié. We have prayed. Amen. Amen. On acclame Jésus. Let's clap for Jesus. Let's clap for Jesus. Il est la parole de Dieu. He is the word of God. Il est la parole de Dieu. He is the word of God. Nous l'acclamons, nous l'acclamons. Let's clap for him. Let's clap for the King. Yes, Lord. Nous pouvons nous rasseoir dans sa présence. Merci au Seigneur. His presence. Et la chorale baigne. Depuis que tu es entré dans cette salle, since you entered this hall, inévitablement et indépendamment de ta volonté, independent of your will, tu t'es connecté à une onction. You connected yourself to an anointing. Cette onction, that anointing, ce n'est pas l'onction d'un homme. It's not anointing of a man. La Bible déclare. The Bible says. Tu es le Christ. You are the Christ. Le Fils du Dieu vivant. The Son of the Living God. C'est Dieu qui parle. It's God who is speaking. Au sujet de son fils Jésus. Concerning his son Jesus. Et le mot Christ. And the word Christ signifie oint. Means anointed. Donc Jésus en lui-même. So Jesus in himself. Est l'onction personnifiée. Is the anointing made like a person. Depuis l'instant où tu es entré dans ce lieu. From the moment you enter this place. Inévitablement. Without et wanting. Indépendamment de ta volonté. And without your will. Tu t'es connecté. You connected yourself. À Jésus Christ. To Jesus Christ. Il a dit là où deux ou trois. He said where two or three. Sont rassemblés sur la terre à mon nom. Are gathered in my name on the earth. Je me tiens au milieu d'eux. I stand in the midst of them. Je ne crois pas que Jésus est présent ce soir. I don't believe that Jesus is present tonight. Mais je sais. But I know. Qu'il est présent. That he's present. Parce qu'il l'a dit. Because he said. Il a promis. He promised. Et c'est une certitude. And it's a truth. Et depuis l'instant où tu es entré ici. And since the moment you entered here. Tu t'es connecté à cette onction. You connected yourself to that anointing. L'onction personnifiée. The anointing made man. Jésus est ici. Jesus is here. Et depuis qu'on a commencé à chanter. And since we started singing.
à prier, praying, à témoigner, testifying, tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant, all that have been done till now, a été sous le contrôle de Jésus Christ, has been under the control of et Jesus Christ, et rien de ce qui a été fait, and nothing of what n'a été what le fruit d'une œuvre charnelle, have been a fruit of a carnal work, encore moins le fruit d'une œuvre humaine, or a fruit of a human work, mais tout est sous le contrôle de Jésus, but everything is under the et control of Jesus, and you can be que sure chaque phrase, that every sentence, chaque chanson, every song, chaque mélodie, every music a été inspiré has been inspired par le Saint-Esprit by the Holy Spirit pour te faire du bien. To do you good. Et ceux qui ont les oreilles spirituelles, and for the one who has spiritual ears, ont commencé à recevoir, they started to receive de Dieu from God depuis l'instant qu'ils sont rentrés ici. From the moment they entered here, par un chant, by a song, une mélodie, a music, une parole dans un chant, a word in a song, une phrase d'un chant, a sentence in a song, une prière, a prayer, quelque chose qui a été dit, something which has been said, un témoignage, a testimony, Jésus est ici, Jesus is here. Et c'est la raison pour laquelle, that's the reason why, cette nuit de prière, this prayer night, est appelée la nuit de percée prophétique, is called the night of prophetic breakthrough, parce que cette onction, because that anointing, qui est ici, which is here, et que Dieu déverse pendant ces temps, and that God is releasing during those times, est une onction prophétique, is a prophetic anointing. Et lorsque le prophète Samuel, and when prophet Samuel a parlé à Saül, spoke to Saul, alors que ce dernier recherchait les ânes de son père, while he was looking for the donkey of his father, il lui a dit les ânes ont été retrouvés. He told them we found back the donkey. Retourne maintenant sur tes pas. Return back on your steps. Et quand tu iras, and when you go, tu rencontreras une troupe de prophètes. You meet a group of prophets. Et tu prophétiseras avec elles. And you prophesy with them. Et la Bible nous relate que lorsque Samuel a dit cela à Saül, and Bible says when Samuel told that to Saul, Saül a obéi. Saul obeyed à la parole du prophète. To the word of the prophet. C'est donc écrit, confiez-vous à l'Éternel et vous vivrez. It is written, trust in the Lord, you will live. Mais confiez-vous à mes prophètes et vous réussirez. Trust in my prophet and you will succeed. Alors Saül est retourné sur ses pas. Saul went back on his steps. Et là, il a rencontré une troupe de prophètes. Then he met a group of prophets. Et là, il déclare qu'à l'instant, but at that moment, où Saül est rentré en connexion, when Saul entered into connection, avec la troupe de prophètes, with the group of prophets, l'esprit de l'Éternel, the spirit of the Lord, est descendu sur Saül, fall upon Saul, et l'a saisi, and shook him, l'a renversé spirituellement, turned him spiritually, l'a bouleversé, changed him spiritually, et à l'instant, and that moment, il fut changé, he has been changed, en un autre homme, to another man. Dans le contexte hébraïque, il est dit, il fut changé, he has been changed, en un homme suivant, in a following man. Cette onction qui est ici, that anointing which is here, va te changer, will change you, en un homme suivant, in a following man. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es en 2013. Today we are 2013. Tu es l'homme actuel. You are the current man. Dans quelques instants, in some moment, tu vas basculer. You change. Tu passes à l'homme suivant. You are going to the following man. Tu passes à la femme suivante. You are going to the following woman. Pour une nouvelle identité. For a new identity. Pour une année suivante. For a new year, a following year. Cette onction est ici. The anointing is here. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. 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 Et comme chaque année, like every year, durant cette nuit de prière prophétique, en faveur du nouvel an, concerning the new year, nous écoutons la voix de Dieu, we listen to the voice of God, pour savoir quelle est sa pensée, to know what is his mind, pour nous en tant qu'individu, for us as individual, pour nous en tant qu'église, for us as a church, mais aussi pour nous en tant que peuple, en tant que nation, also as a nation. Quelle est la pensée de l'Éternel? What is the mind of the Lord? Pour nous en 2014. For us in 2014. C'est pour cela le thème c'est. That's why the title of the message. Perspective 2014. Is go 2014. Que dit Dieu? What is God saying? Alléluia. Hallelujah. Et quand j'ai interrogé l'Éternel, and when I asked the Lord, il m'a conduit dans un verset que nous connaissons tous. He led me into a scripture we all know. Et que j'aimerais vous inviter à lire avec moi. I would like to invite you to read it with me. Ésaïe. Isaiah, chapitre 54, chapter 54, du verset 1, from verse 1 au verset 2, to verse 2. Ésaïe 54, Isaiah 54, du verset 1 au verset 2, from verse 1 to verse 2. Nous lisons la prophétie d'Ésaïe, adressée à Israël, au peuple de Dieu, mais qui se concrétise aujourd'hui en notre faveur, qui nous concerne aujourd'hui, l'Église de Jésus-Christ. Rejouis-toi. Sing. Rejouis-toi. Sing, rejoice.
Rejouis-toi. Rejoice. Stérile. Oh, barren woman. Toi qui n'enfantes plus. You who ever bore a child. Fais éclater ton allégresse. Burst into song. Et ta joie. Shout for joy. Toi qui n'as plus de douleur. You who are never in labor. Car les fils de la délaissée. Because more are the children of the desolate seront woman plus nombreux than que les fils de celle qui est mariée. Of her who has a husband. Dit l'Éternel. Says the Lord. Élargis l'espace de ta tente. Enlarge the place of your tent. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Stretch your tent contents wide. Ne retiens pas. Do not hold back. Allonge tes cordages. Lengthen your cords. Et affermis tes pieux. Strengthen your stakes. Élargis l'espace de ta tente. Enlarge the place of your tent. Élargis l'espace de ta tente. Enlarge the place of your tent. Je dis au Seigneur. I told the Lord. De quoi veux-tu nous parler? What do you want to speak about? Le Seigneur m'a dit. The Lord told me. Quand je dis élargis l'espace de ta tente. When I say enlarge the place of your tent. Je suis en train de parler de quelque chose qui est au-dedans de toi. I'm speaking about something inside of you. Il ne s'agit pas de la tente, de camping. It's not about the tent for camping. Comme beaucoup d'entre nous aimons faire le camping ici let en France. Let to go to camping here in France. La Bible déclare. The Bible declares. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. We are the temple of the Holy Spirit. Une habitation de Dieu en esprit. Dwelling of God in spirit. Quand Dieu parle de tente ici. When God speaks about tent here. Dieu est en train de parler de ta vie. God is speaking about your life. Il parle de ta vie. He's speaking about your life. Mais regardez ce que Dieu nous dit. Look at what he said. Il dit élargis l'espace de ta tente. Enlarge the place of your tent. Avant de dire élargis l'espace de ta tente. Before saying enlarge the place of your tent. Il commence par dire rejouis-toi. He starts saying rejoice. Rejouis-toi femme stérile. Rejoice barren woman. Toi qui n'enfantes plus. You who is are not giving birth. Fais éclater ton allégresse et ta joie. Burst into song, shout over joy. Toi qui n'as plus de douleur depuis longtemps. You never have labor. Qui n'as plus connu les douleurs de l'enfantement. You never have labor. Car les fils de la délaissée. Because the son of the desolate woman. Toi qui as été délaissé. You who have been desolate. Toi qui as été abandonné. You have been parce given que tu up. Ne fais plus d'enfants. Because you have no parce more children. Parce que tu ne fais pas d'enfants. Because you are not giving birth. Voici que maintenant. That's now. Tes fils. Your sons. Seront plus nombreux. Will be have with great number. Que les fils des femmes qui ont enfanté depuis the longtemps. Than the one of the woman who gave birth since. Voyez-vous, Dieu est en train de parler à une femme stérile. God is speaking to a barren woman. Il dit à la femme stérile. He told the barren woman. Il dit élargis l'espace de ta tente. He said enlarge the place of your tent. Élargis l'espace de ta tente. Enlarge the place of your tent. Déploie les couvertures de ta demeure. Release. Pourquoi? Your covering, why? Parce que tes enfants sont en chemin. Because your children are coming. Alléluia. Alléluia. Tes enfants sont en chemin. Your children are coming. Ne regarde pas ta condition actuelle. Don't look at your permanent condition. Ne regarde pas ta condition de femme stérile. Don't look at your condition of barren woman. Certainement pendant plusieurs années tu as cherché à avoir des enfants. Surely you look to have men to have children. Et tu as été la risée de plusieurs femmes dans and ton quartier. And many people laugh at you in your area. Dans ton lieu de travail. In your job place. Et partout tu es dans ta famille. Everywhere in your family. Voici maintenant. Now. 2014 arrive. 2014 is coming. Élargis l'espace de ta tente. Enlarge the place of your tent. Et tente cordage. Stretch for your cords. Parce que tes enfants sont en route. Because your children are coming. Est-ce que tu entends les cris de bébé? Can you hear the shout of a baby? Est-ce que tu entends les cris de tes enfants? Can you hear the shout of your children? Dieu te dit aujourd'hui. God is telling you today. Élargis l'espace de ta tente. Enlarge the place of your tent. Ça veut dire quoi? What does it mean? Ça veut dire fais de la place dans ta it maison. It means make room in your house. Commence à faire ta layette. Start to make the baby cloth. Commence à faire ton trousseau. Start to make the baby duty. Commence à préparer la place. Start to prepare a place. Parce que tes enfants seront because tellement nombreux. Because your children will be so much numerous. Que tu risques de manquer de place. That pour you les lack place dans ta maison. To contain them in your house. Car tes enfants. For your children. Seront plus nombreux. Will be numerous. Que les enfants des femmes qui ont enfanté jusqu'à présent. Than the children of the women who gave birth till now. And they laugh at you. They laugh at you. Bien aimé, tes enfants arrivent. Beloved, your children are coming. Maintenant. Now, si tu as conscience, if you have the conscience que tes enfants sont en chemin, that your children are coming, alors prépare-toi. Then prepare yourself. Élargis l'espace de ta tente. Enlarge the place of your tent. Fais de la place. Make room. Parce qu'il risque d'avoir un embouteillage à la because maison. Because the house will quelqu'un be plenty in the house. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? What does God want to tell us? Il dit élargis l'espace de ta tente. He said enlarge the place of your tent. Il nous parle d'élargissement. He's speaking about enlargissement. What it means to enlarge? L'élargissement c'est une projection. Enlarge is to project yourself. Une projection project vers yourself to the future.
Cette projection, that projection n'est rien d'autre is nothing else que l'extension de notre pensée, that the spreading of your mind vers le futur. To the future. Dieu est en train de dire à la femme stérile, God is telling the barren woman, étends ta pensée, strengthen, étire ta pensée, lengthen your mind, projette-toi vers le futur. Project yourself to the future. Parce que si tu te projettes vers le futur, because if you project yourself to the future, tu ne verras pas ta condition actuelle. You see no more your permanent condition of barren woman. Mais tu verras, but you see, le nombre infiniment grand, the number de tes enfants qui sont en chemin, all your children coming, et tu vas commencer à te réjouir, and you start to rejoy yourself, commencer à faire éclater ton allégresse et ta start joie, start to burst your song and your parce joy, parce que tu verras tes enfants arriver, because you see your children coming, car tes enfants, for your children, seront plus nombreux, they will be numerous, que les enfants des autres que tu as convoités, than the children of the other people you saw. Give a hands to God. Alléluia. Alléluia. Donc quand Dieu nous dit, so when God says, élargis l'espace de ta tente, enlarge the place of your tent, il parle de l'extension de notre pensée vers le futur. Speaking about the spreading of our mind to the future. Dieu nous parle ici d'extension. God is speaking about spreading. Que quelqu'un dise extension. Let someone say spreading. Que quelqu'un dise extension. Spreading. Dis à ton voisin côté extension. Tell your neighbor spreading. Non, il ne t'encourage pas assez. He's not encouraging enough. Donc change de personne. So change. Deuxième personne, extension. Tell the second person spreading. Hallelujah. Quelle que soit ta condition actuelle, no matter your actual condition, quelle que soit ce que tu vis aujourd'hui, no matter what you are going to today, au niveau personnel, personally, au niveau de la santé, in your health, au niveau familial, in your family, Dieu te dit ce soir, God is telling you tonight, 2014, une année d'extension, a year of life. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Give a hand to God. Hallelujah. Qu'est-ce que tu vis dans ton lieu de travail? If you need a job, ou peut-être que tu es au chômage, or you are jobless, ne te considère pas comme un chômeur. God is not considered like jobless. Parce que lorsque tu te considères comme un chômeur, because if you consider yourself like a jobless, ta condition actuelle, it means you are looking at your current condition in 2013. Mais Dieu te dit extension. But God said lengthen. Si tu élargis l'espace de ta tente, if you enlarge the place of your tent, si tu étires ta pensée, if you lengthen your mind to the future, que tu te projettes vers le futur, that you project yourself to the future, tu ne verras pas chômeur, you see yourself as a jobless. Non. No. Si tu as fait des études en informatique, if you have studied computer science, et que tu cherches du travail depuis longtemps, and you are looking for a job for a while, aujourd'hui quand tu vas chercher du travail, today when you go for a job, tu va avec la mentalité d'un chômeur en recherche d'emploi. With the mentality of a jobless looking for a job. Au pôle emploi. Subscribe to a group to look ça for a job. Ça c'est la pensée de 2013. That's the mind of 2013. Mais pas extension prophétique. But by prophetic level. Quand tu te projettes vers 2014. When you project yourself 2014. Tu ne vas plus chercher du travail avec la mentalité d'un chômeur. You look for a job no more with the mentality of a mais jobless. Mais tu iras chercher du travail avec la mentalité d'un ingénieur. But you look for a job. De prise de fonction. With a mentality of engineer waiting for a job. Je ne sais pas quel enfant tu attends. I don't know which child je you are waiting for. Je ne sais pas quel bébé tu entends. Which baby you are waiting for. La femme ici attendait certainement des enfants physiques. Maybe that woman was waiting for physical baby. Théologiquement aussi, on sait que c'est une prophétie qui s'adresse à Israël. We also know that prophecy was for Israel. Et qui donc concerne aussi l'accomplissement de la prophétie que Dieu a donnée à Abraham. It also about the fulfillment of the prophecy God gave to Abraham. Lorsqu'il dit que tes enfants seront nombreux. When he said your children will be numerous. Aussi nombreux que les grains de sable, numerous at the de sands, la plage, or the et of plus the nombreux earth, même aussi en bloc que les étoiles du ciel. Or even more the stars in heaven. C'est vrai. It's true. Mais aujourd'hui, but today, cette parole est pour toi. That word is for you. Et peut-être que tu n'attends pas un enfant sur and le plan maybe humain. You are not expecting a child or human plan. Quoique. Or maybe, mais peu importe, no matter, Dieu sait, God knows, quel enfant tu attends. Which child you are waiting for. Give hands to God. Alléluia. Alléluia. Quel enfant tu attends aujourd'hui? Which child are you waiting for today? Peu importe l'enfant que tu attends. No matter the child you are expecting. La Bible déclare. The Bible says. Et Dieu te dit aujourd'hui. And God is telling you today. Réjouis-toi. Rejoice yourself. Réjouis-toi. Rejoice yourself. Éclate en allégresse. Boast in song. Exulte de joie. Boast in joy. Car lorsque tu élargis ta pensée. Because when you enlarge your mind. Par extension 2014. By life in 2014. Tu ne verras plus ta condition de stérile. You see no more your condition of barren. Tu verras le nombre infiniment the grand. Number, the great de number tes fils. Of your son. Et les fils. And sons. De la délaissée. Of the desolate. Seront plus nombreux. Will be greater. Que les fils. Than the son. De la femme mariée. Of the woman, of the married woman. Alléluia. Alléluia. Il y en a qui attendent un bébé. Some are expecting a baby. Peut-être au niveau du travail. Maybe in the job. Tes enfants arrivent.
Your children are coming. Ils sont tellement nombreux. They are so much que tu numerous. Tu as du mal à choisir. That you have difficulty to choose. Et là, ça devient un bon problème. It become a good problem. Alléluia. Hallelujah. Et quand tu vas avoir plusieurs offres d'emploi devant toi. And when you have many offers in front of you. En 2014. In 2014. Et que tu as du mal à choisir. And you have difficulty to choose. Souviens-toi que tes enfants. Remember that your children. Sont devenus plus nombreux. Became greater. Alors fais de la place. So make room. Alléluia. Hallelujah. Il y en a qui attendent peut-être. Some maybe are waiting, expecting to give birth to the wedding. I have a good news for you. Oh, les maris vont se bousculer au port de ta demeure. Oh, husband will come in a lot in front of you. Tu vas les sélectionner. You choose them. Dès ton frère, ça devient un bon problème. Tell your brother or your neighbor, it becomes avant a good problem. Avant c'était la sécheresse. Before it was dry season. Barrenness. Tu pouvais te maquiller. You could make up. Bien t'habiller. You could dress well. Coaching vestimentaire. Have a clothing coaching. Have every kind of lifting. Have any kind of lifting. Now, when you used to pass by, no one could look at you. Dis à ton frère, ça, c'était l'onction de 2013. Tell your neighbor it was the anointing of 2013. Mais l'onction de 2014. But the anointing of 2014. Lefen. Cette onction-là. That anointing. C'est le fils. Is a son de la délaissée of the desolate woman plus nombreux, who are greater dont les maris vont se bousculer au port de ma and then husband will be in front of your house. Alléluia. C'est-à-dire que cette option-là, it means that anointing lifting ou pas lifting or without lifting les frères vont te poursuivre. Brother who comes et là tu vas maintenant venir voir le pasteur parce que tu auras l'embarras du choix. Then you come and see the pastor because you know what to choose. Et pour nous les pasteurs, ça c'est un bon problème. And for us pastors, it's a good quelqu'un problem. Quelqu'un s'acclame le Seigneur. Alléluia. Give a hands to God. Alléluia. Parce que Dieu, because God discernement, will give us the discernment and we can help you bon, to have the choose the one et du parfait. The good, the pleasing and the perfect. Quelqu'un me comprend ici? Do you understand me? Bon, je ne sais pas quel enfant tu attends. I don't know which baby you are expecting. Il y en a qui attendent peut-être d'avoir une maison. Maybe some are expecting a house. Parce que tu es resté longtemps locataire. Because you have been renting for long. J'ai une bonne nouvelle pour toi. I have a good news for you. Tu deviendras propriétaire. You become an owner. Alléluia. Hallelujah. Non seulement d'une maison. Not only for a house. Mais de plusieurs maisons. But of many houses. Et non seulement tu seras propriétaire. Not only you'll be an owner. Mais tu vas aussi loger plusieurs personnes. You also rent to many people. Écoute-moi. Listen. Souvent on cherche une maison. Very often we look for a house. Pour se loger soi-même. To rent out ourselves. Ça c'est une bonne chose. It's a good thing. Ça c'est une bénédiction. It's a blessing. Mais quand Dieu te bénit. But when God bless you. Tu passes de la bénédiction. You live from the blessing. Tu passes du stade de bénédiction. You live from the state of blessing. Au stade blessing, de source de bénédiction. To the step of source of blessing. Bien-aimé, beloved, tu ne vas pas seulement être logé. You be only be in a house. Tu ne vas pas seulement acquérir une maison. Or only have a house. Mais tu vas loger des gens. But you rent people. You rent your houses for people. Acclame Jésus ici. Clap for Jesus. Hey! Je vois des entreprises immobilières. I see company houses company. Je vois des propriétaires immobiliers. I see owner. Et si cette parole te fait chaud au cœur, saisis-la, acclame le Seigneur et proclame, oui, je reçois. Peut-être tes affaires en 2013, maybe your business 2013 ont montré des signes de stérilité. Show signs of barrenness. Difficile à avoir des enfants. Difficult to have children. C'est-à-dire les clients. Or clients. C'était dur. It was hard. Le ciel est derrière. Everything was locked. Douter, Seigneur, est-ce que c'est vraiment you even start doubting. Is really in that area you call me Lord? Pourtant, j'ai cru avoir entendu ta voix me parler. While I feel like hearing your voice. Mais 2014. But 2014. T'amène une saison d'enfantement. Bring a season of giving birth. Tes enfants. Your children. Seront plus nombreux. Will be greater. Que les enfants de tes concurrents. Than the one of the other company. Les clients vont se bousculer. Client to come. De ton entreprise. To the gate of your company. Hallelujah. Hallelujah. Je vois ici. I see here. Chrétiens être envahis. Hair salon, Christian hair salon, be filled. Hallelujah. Hallelujah. Hey, n'ayez pas peur de mettre dans votre salon de coiffure. Don't be afraid to put praise in your hair salon. Vous savez quand je vais me coiffer dans les salons de coiffure des gens de ce monde? You know when I go to the hair salon of the people of this world? Ils s'en fichent. They don't mind. Pasteur ou pas pasteur? If you are pastor or not? Ils mettent leur ndombolo. They put their ndombolo. Mais voilà pasteur en train d'être coiffé dans un salon où il y a ndombolo. Now this is the pastor making his hair in the salon where there's ndombolo. Le passé prophétique du 31 décembre 2013, c'est un chrétien qui m'a coiffé. Happily this time I want is a Christian who make my hair. Je vais préparer cette nuit de prière. Can you imagine I was preparing this time? Et mes oreilles sont remplies d'ndombolo. And my ears are filled with ndombolo. Comment pouvais-je entendre la voix de l'Éternel? How could I hear the voice of the Lord? Il est temps. It's time that Christians stand up and they have their own hair salon. Hallelujah.
Mais vous n'aurez pas besoin de techniques de ce monde. And you need to have the technique of this world. Pour attirer les clients. To attract clients. En mettant le genre de musique qu'ils aiment. By putting the kind of music they like. Vous mettez la louange. You put praises. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous savez pourquoi? Do you know why? Pierre a fait la pêche miraculeuse. Peter had the fishing, miraculous fishing. Pierre avait toujours essayer. He always tried les techniques de ce monde. The techniques of this world. Et jusque là, ça avait souvent marché. Until now, it often works. Me suis ici. Are you following me? Le jour où il rencontre Jésus. The day he met Jesus. Les techniques de ce monde ont atteint leurs limites. The technique of this world reached their limits. Et Jésus voulait montrer à Pierre. And Jesus wanted to show Peter. Que pour prospérer dans son entreprise de pêche. To prosper in his fishing company. Il y avait une autre loi. There was another law. Écoutez-moi. Listen. Peut-être Pierre. Maybe Peter. Dans son école d'ingénieur de technique de pêche. In his school of engineer of fishing. A appris comment attirer les poissons. Learn how to attract fish. Mais ce jour. But that day. Cette technique. That technique. Avait atteint leurs limites. Reached the limits. Il a lancé le filet. He cast the net. Rien à faire. Nothing to do. Le vide. Empty. Il a tout essayé. He tried everything. Il n'a rien capturé. He had nothing. Quand Jésus arrive, when Jesus came, il dit à Pierre, jette le filet. He told Peter, cast the net. Là, à cet endroit. At this place. Pierre essaie de raisonner. He tried to mind. Jésus to a dit, jette le filet. Jesus said, cast the net. Et il a dit, sur ta parole. He said, on your word. Je jetterai le filet. I'll cast down the net. Et quand il a jeté le filet, and when he cast down the net, il fit une pêche miraculeuse. He had a miraculous fishing. Vous savez comment moi je comprends ça? You know how I understand that? Jésus est arrivé. Jesus came. Jésus a dit, il dit, le royaume de Dieu est au milieu de vous. He said the kingdom of God is in the midst of you. Le royaume de Dieu, c'est la présence de Dieu dans un endroit. The kingdom of God is the presence of God in a place. Et quand les gens se retournent, and when people return themselves, où est le royaume de Dieu? Where is the kingdom of God? Ils nous parlent du royaume de Dieu. They are speaking about the kingdom of God. Mais il est où le royaume de Dieu? Where is that kingdom of God? Jésus leur dit, le royaume de Dieu. Jesus told them the kingdom of God est venu au milieu de vous. Came in the midst of you. Seulement ils l'ont pas reconnu. Only they did not recognize him. Ils ne parlaient pas de quelque chose. He was not talking about something. Dans un sens d'une nation, or about a nation, avec un président, un roi, with a president or a king, il ne parlait pas d'une situation géographique. We're not speaking about geographical situation. Jésus dit le royaume de Dieu. He said the kingdom of God s'est approché de vous. Came to you. Il est venu au milieu de vous. He came in the midst of il you. Il est là tout près de vous. He's with you. Ils se sont retournés. They returned mais themselves. Il parle de quoi? But what is he talking about? Il ne parlait pas de quelque chose. He was not talking about something. Il parlait simplement d'une personne. He was talking about one person. Il parlait de lui. He was talking about him. Jésus. Jesus est le royaume de Dieu. Is the kingdom of God. En personne. Personally. Alléluia. Alléluia. Et quand le royaume de Dieu est dans un endroit. When the kingdom of God is in a place. Bien-aimé. Beloved. Le royaume de Dieu. The kingdom of God. C'est la présence de Dieu. Is the presence of God. C'est la sphère où Dieu règne. It's an environment where où God sa reigns, présence est manifeste. Where his presence is shown. Le royaume de Dieu. The kingdom of God. Est un climat. Dites un climat. Is a climate, an environment. Le royaume de Dieu. The kingdom of God. Est une atmosphère. Is an atmosphere. Dites atmosphère. C'est une atmosphère, un environnement. Quand Jésus est dans un endroit. So where Jesus is a place. Bien aimé. Beloved. L'atmosphère de ce lieu change. The environment of that place changes. Et quand Jésus est arrivé. And when Jesus came. Au bord de ce fleuve. At that river. L'atmosphère de ce lieu a changé. The environment of that place changed. Voilà que maintenant la terre, now the earth, qui était stérile, which was barren, start to produce. Voilà que maintenant les eaux, the water, qui étaient waters, devenues stériles, which were barren, qui ne pouvaient plus donner de poissons, who could not give fish, commencent à devenir des eaux fertiles. Start to be fruitful waters. Pourquoi? Why? Parce que la présence de because Jésus the presence of Jesus a affecté ce lieu. Impacted the place. Dieu parle des entrepreneurs. God was speaking to businessmen, the carrier of projects. Ne recherchez pas les techniques de ce monde. Don't look for the technique of this world. Quoique même si certaines techniques sont intéressantes even et though importantes, some are good and important. Par-dessus tout, above all, en 2014, in 2014, recherche look la présence de look Dieu. Look for the presence of God dans ton entreprise. In your company. Recherche look à installer to install l'atmosphère the presence of la presence, présence de Dieu the presence of God dans ton entreprise. In your company. Dans ton salon de coiffure. In your hair salon. Dans ton agence. In your company. Dans ton cabinet. In your cabinet. Dans ta boulangerie. Where you make your bread. Dans ton entreprise peut-être de voitures. In your company of cars. Je ne sais pas quelle entreprise tu as. I don't know which restaurant. Guy. In your restaurant. Installe. Establish. La présence de Dieu. The presence of God. Et tu verras les poissons. And you see the fish. Tu verras les poissons. You see the fish. Tu jetteras le filet. You cast down the net. Et tu feras une pêche miraculeuse. And you have a miraculous fishing. Alléluia. 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 Alléluia.
Quel genre d'enfant tu attends? Which kind of child are you expecting? Quels sont les fils et les filles? Who are the sons and the daughters? Depuis longtemps? We are expecting this long. De quoi es-tu enceinte aujourd'hui? What are you pregnant of today? L'Éternel te dit aujourd'hui. The Lord is telling you today. Élargis l'espace de ta tente. Enlarge the place of your tent. C'est-à-dire? It means. Étends ta pensée. Lengthen your mind. Extension de ta pensée vers le futur. Lengthen of your mind to the future. 2014. Sera pour toi. Will be for you. Une année d'extension. A year of lengthen. Qui dit extension? Who said lengthen? Veut dire perception. Means perception. Dites perception. Say perception. Ah, carébros katarémaï, katarémaï. Dites perception. Perception. Écoutez ceci. Listen this. Venez avec moi dans Hébreux, le livre d'Hébreux chapitre 11. Come with me in the book of Hebrews chapter 11. Hébreux chapitre 11 verset 23. Hebrews chapter 11 verse 23. Tu ne peux pas rentrer dans une dimension d'extension. You cannot enter the dimension of extension sans rien percevoir à l'horizon. Without seeing nothing coming. Parce que si Dieu dit à la femme stérile, réjouis-toi. If God tells the barren woman to rejoice, c'est parce que les enfants de cette femme sont déjà en chemin. It's because the children of that woman are about to come. Alors Dieu veut étendre la pensée de cette femme. So God wants to lengthen the mind of that woman. Pour l'aider à percevoir. To help her to see. Ses enfants qui arrivent. Her children coming. Alors en ce moment, so at that moment, elle sera capable d'enfanter. She'll be able to give birth. En ce moment, at that moment, l'enfantement devient possible. Birthing becomes possible. Bien aimé, tu peux rien enfanter. You can give birth to nothing. S'il n'y a pas extension de ta pensée vers if le futur. No lengthening of your mind in the future. Et il n'y a pas d'extension sans perception des choses que Dieu te prépare. And there's no lengthening without seeing the things God is preparing la for Bible you. Déclare, the Bible says, c'est par la foi it's by faith que Moïse, that Moses, à sa naissance, at his birth, fut caché has been hidden pendant 3 mois during 3 months par ses parents. By his parents. Pourquoi? Why? Écoutez la suite. Listen the rest. Parce qu'il vit because they saw que l'enfant était beau de figure. That he has a good face. En hébreu, in Hebrew, cette phrase signifie that sentence mean, parce qu'il vit because they saw, que l'enfant avait une grande destinée. That the child has a great destiny. Alléluia. Hallelujah. Pourquoi les parents de Moïse, where does the parent of Moses, à sa naissance, at his birth, l'ont caché pendant 3 mois? Put him in a place during 3 months. La Bible déclare, the Bible says, ils ont vu they saw que cet enfant that child avait une grande destinée. Has a great destiny. Voilà pourquoi ils l'ont caché. That's where they hide him. Bien-aimé, beloved, lorsque tu élargis ta pensée, when you enlarge your mind, tu vois ce que tu deviendras demain. You see what you become tomorrow. Et quand tu vois ce que tu deviendras demain, and when you see what you become tomorrow, tu prends ta vie très au sérieux. You take your life seriously. Tu me comprends ici? Do you understand me? Pourquoi Dieu why does a demandé God à Joseph de prendre Marie, asked Joseph to take Mary, et d'amener l'enfant Jésus en Égypte, and to take Jesus to Egypt? C'est pour le cacher. Is to hide him. Pourquoi? Why? Parce que Hérode en voulait à l'enfant. Herod wants to kill the child. Mais pourquoi Dieu a caché l'enfant? But why does God hide the child? Parce que cet enfant, because that child, avait une mission sur la terre. Has an assignment on the earth. Bien-aimé, beloved, quand Dieu te montre qui tu es, when God shows you who you are, tu prends ta vie au sérieux. You take your life seriously. Alléluia. Hallelujah. Tu t'éloignes du péché. You go far away from sin. Du mal. Of evil. Mais surtout, but often, tu ne crains pas Pharaon. You don't fear Pharaoh. Parce que la Bible déclare. But the Bible says, malgré l'ordre de Pharaon, although the order of Pharaoh, les parents de Moïse n'ont pas craint Pharaon. The parents of Moïse wasn't afraid of Pharaoh. Ils ont caché l'enfant. They hide the child. Parce que l'enfant avait une grande destinée. Because he had a great destiny. Ceux qui ont la pensée de l'extension, the one who have the mind of et qui se projette vers leur futur, and project themselves to their future, sont des hommes et des femmes qui vivent cachés. They are men and women who live hidden. Ils vivent cachés. They live hidden. Cachés dans la présence de Dieu. Hidden in the presence of God. Cachés sous le sang de Jésus. Hidden under the blood of Jesus. Cachés sous les ailes. Hidden under the wings du Seigneur. Of the Lord. Car celui qui demeure à l'abri du Très-Haut, because the one who stays under the shadow of the Almighty, dwell. Qu'est-ce que ça veut dire? What does it mean? Ça veut dire que lorsque tu as la perception, it means when you have the perception, de qui the sight tu seras demain, of whom you will be tomorrow, tu demeures dans la présence de Dieu. You dwell in the presence of God. Tu affectionnes sa présence. You love his presence. Tu aimes prier. You love praying. Tu aimes adorer le Seigneur. You like worshiping the Lord. Tu dis comme David, mon désir ardent, Seigneur. Like David, you say, my strong desire, Lord, suprême, and my greatest goal dans ta présence is to be in your presence.
Hallelujah. 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 Parce que tu sais une chose. Because you know one thing. Que dans sa présence, that in his presence, tu es caché. You are hidden. Caché de tes ennemis. Hidden from your enemies. Caché de tes persécuteurs. Hidden from your persecutors. Et tu prends ta vie très au sérieux. And you take your life seriously. Dans Hébreux chapitre 11 toujours. In Hebrews chapter 11. Au verset 24. Verse 24. On lira jusqu'au verset 27. Till verse 27. Il dit c'est par la foi. He said it's by faith. Que Moïse devenu grand. That Moses when he had grown refusa up. Refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Refused to be known as the son of Pharaoh's daughter. Aimant mieux être traité avec le peuple de Dieu. He chose to be mistreated with the people of God. Que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Than to enjoy the pleasure of sin for a short time. Regardant le propre de Christ. He regarded disgrace for the sake of Christ. Une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. As a greater value than the treasure of Egypt. Écoutez ceci. Listen. Car because il avait les yeux he was looking fixés ahead sur la rémunération. To his reward. Alléluia. Hallelujah. L'extension de ta pensée vers le the futur. The length of your mind to the future. Te projette project you vers le retour de Christ. To the return of Christ. 2014. 2014. Doit t'interpeller. À prendre conscience. Brings you to que be conscious. Jésus Christ revient bientôt. That Jesus Christ will come back very soon. Et parce qu'il revient bientôt. And because he'll come back very je soon. Je ne vis pas pour l'instant présent. I don't live for the present je moment. Je me projette vers le futur. I project myself to the future. Et je ne suis pas comme un poussin qui regarde les choses de la terre. I don't look for the things of the earth. Mais je suis comme un aigle qui élargit but sa I'm vision. I'm like an eagle which who enlarges his vision. Et qui regarde à ce qui est en haut. And look at what is above. Et qui regarde à ce qui est assis à la droite de Dieu le Père. And who look at what is seated. La Bible déclare. God the Father, que là-haut dans le ciel, that then heaven, il est allé nous réserver une place. We have a place. Afin que là où il est, so that where nous, he is, nous y soyons. We must also be there. Et alors nous ne devons pas regarder aux choses de la terre. So we must not look at the things of the earth. Nous attacher aux choses de la terre. Or attach ourselves to the things si of the earth. Maison, even though I need a house, I need money, j'ai besoin d'une femme, I need a wife, de mari, a husband, des enfants, or children, et qu'en sais-je encore, or any other things. Toutes ces choses, all those things, sont nécessaires, are necessary, pour l'instant présent sur la for terre, for the present moment on the earth. Mais pourquoi? But why? Parce que j'ai une mission à accomplir sur la terre. I have an assignment to fulfill on the c'est earth. Tout. That's all. Le plus important pour moi. The most important for sur me la terre. On the earth. Et d'accomplir cette mission. Is to fulfill that assignment. Mais je dois garder. But I have to keep. Ma vision. My look. Connecté. Focus connected. À la rémunération. To the reward. Alléluia. Hallelujah. L'espérance de notre salut. The hope of our salvation. Aujourd'hui, l'Église de Jésus today, the Church of Jesus est remplie de beaucoup de chrétiens. Is filled with a lot of Christians. On vient à l'Église. We come to church. Rien que pour prier. Only to pray. Pour nos besoins de première nécessité. For our need of our first need. Il y a qu'à écouter nos prières. By listening to our prayer. Seigneur, donne-moi. Lord, give me. Donne-moi. Give me. Donne-moi. Give me. Ça veut dire que notre perception. So that our sight, perception, limitée is limited. Aux choses matérielles. To the material things. Aux choses de la terre. To the things of the earth. Mais c'est pas pour cela que Dieu nous appelait but sur la terre. But it's not for that reason God called us on the earth. Et conscient de cette réalité. Having in mind that reality. Moïse élargit sa pensée. Moses enlarged his thoughts. Élargir notre pensée. Enlarging our thoughts. C'est dépasser les limites. It go beyond the limits. De nos intérêts personnels. Of our personal interests. Dépasser les limites. Go beyond the limits. Des plaisirs de la terre. Of the pleasure of the dépasser earth. Dépasser les limites. Go beyond the limits. De l'égoïsme de l'homme of the selfish of man à vouloir tout posséder of wanting to et have à gagner le monde entier pour dominer les autres and to win the whole world to take dominion mais on Jésus order. Dit but Jesus said que certes il a un homme that of course he's a man de gagner le monde entier what is it useful for a man to si win the whole world if he loses his alors soul alors Moïse a compris cela so Moses understood et Moïse that a étiré sa pensée and then he enlarged his thoughts extension lengthen je ne sais pas à quelle époque il était. I don't know which en time quelle année it was, avant Jésus-Christ, in which year before Jesus mais ce Christ, que je sais, but what I know, c'est qu'il a commencé à faire cet exercice avant he nous aujourd'hui. To do that exercise before us il today. A commencé à élargir l'espace de sa tente. He started to enlarge the il place a commencé of à étirer tent. Sa pensée. He started to lengthen et à se his projeter mind, par extension and to project himself vers by son futur. To his future. Et il n'a pas regardé sa condition actuelle. He didn't look at his current condition de prince of a prince avec toutes les richesses with all the riches et l'héritage qu'il attendait. And inheritance mais il sa-
savait une chose. But he knew one thing. Il était sur la terre. He was on il the earth. Né he was born pour accomplir une mission. To fulfill an assignment. Et and that's que why son père et sa mère his father and his mother caché pendant trois had mois him during 3 months afin que le diable so that the devil ne le tue pas. Do not kill et him. Il était né pour accomplir and he was born to les œuvres de l'Éternel. The works of the Lord. Et il avait compris cela and he understood that très tôt avant toi et moi. Very early before you and I. Cela, and because he understood that, déclare, the Bible says, c'est par la foi, it's by faith, par la projection, by projection de sa pensée vers le futur, of his thought to the future, que devenu grand, devenu coming, mature, became grown, et conscient de ce qu'il est venu faire sur and la terre, conscient of what he came to do on the Moïse earth, Moses refusa refused d'être appelé to be called fils the son de la fille de Pharaon. Of Pharaoh's daughter. Aimant mieux loving better, être traité avec le peuple de Dieu, to be mistreated with the people of God, pour un temps, rather than to enjoy the pleasure, la jouissance du péché, the pleasure of sin for a short time. Bien-aimé, beloved, s'il y a une chose, if there's a thing qui limite la pensée de l'homme, that limits, c'est les plaisirs de la terre. The thought of man is the pleasure of the earth. Avec quelle pensée? With which mindset will you enter in 2014? Pourquoi veux-tu avoir des enfants? Where do you want to have children? Pourquoi veux-tu avoir un mari? Where do you want to have a husband? Pourquoi veux-tu avoir des entreprises? Where do you want to have company? Oh, durant la conférence du Nouvel An, Dieu nous a beaucoup parlé. During the conference, God spoke to des us a lot. Des paroles prophétiques ont été relâchées. We have prophetic words. Dieu a dit qu'il va vous bénir. God said he will bless you. Il y en a qui vont prospérer. Some will prosper. Les hommes d'affaires. Businessmen. Ou les étudiants. Or students. Mais t'es-tu posé la question? Did you ask yourself the question? Pourquoi Dieu why veut faire ces choses dans ta vie? Does God want to do those things in your life pour un seul but. For one goal. La rémunération céleste. The heavenly reward. C'est pourquoi il dit cherchez premièrement. That's why he said look first le of all. Le royaume de Dieu et sa justice. For the kingdom of God, his righteousness. Et tout ce que vous cherchez. And everything you are looking sera donné for par-dessus tout. Will be added to you. Alléluia. 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 Dites extension. C'est l'enfant. L'extension, c'est que je dépasse mes limites. L'enfant means I go beyond my limits. Qu'est-ce qui t'arrête aujourd'hui? What is stopping you today? Quels sont les murs qui t'arrêtent aujourd'hui? What are the walls who are stopping, which are stopping you today? You need to learn from yourself. You need to learn from yourself. Learn from yourself like this. Certains parmi vous ont besoin de faire ça parfois. Some of you need to stretch your hands sometime. Ne faites pas comme Mr. Bill. Don't do like Mr. Bill. Il se lève le matin. He stand up in the morning. Il dit qu'il s'étire. He said he's lengthening himself. Il fait ça. And he do like this. Mais tirez-vous vraiment. Lift yourself really. Alléluia. Alléluia. Il y en a parmi vous qui ne vont même pas faire de la gym. Some doesn't even do exercise. Qui n'ont plus vu un salon de musculation depuis longtemps. Since long time they stop. Bien aimé. Going to gym, beloved. Et tirez-vous. Alléluia. Lift yourself. L'exercise physique est utile pour plein de choses. Physical exercise is good for little mais things. Mais à travers ça, Dieu nous enseigne quelque chose derrière. Through that, God teaches us everything behind. De la même manière que tu t'étires physiquement. The same way you strengthen yourself physically. Dieu veut que tu élargisses ta pensée. God wants you to enlarge your mind. Qu'est-ce qui t'arrête? What is stopping you? Qu'est-ce qui grince? What is stopping you? Dans Josué chapitre 6 verset 2. In Joshua chapter 6 verse 2. Josué 6, 2, je lis pour vous. Joshua 6, verse 2, I read for you. L'Éternel dit à Josué. The Lord told Joshua. Vois. See. Je livre en tes mains Jéricho. Between your hands Jéricho. Et son roi. And his king. Ainsi que ses vaillants soldats. And all his warriors. Quand Josué va conquérir Jéricho. When Joshua was about to win Jericho. Avant de renverser Jéricho. Before throwing Jericho. J'ai d'abord vu. He saw first of all. Le mur de Jéricho tomber. The wall of Jericho fall. Il a vu. He saw. Avant qu'il tombe. Before he falls. Bien aimé. Beloved. Tes ennemis ne tomberont pas. Your enemies won't fall. Avant que tu les aies vus tomber. Before you saw them falling. Pourquoi David, why does David a eu autant de courage, has so much courage pour aller combattre le géant Goliath, to fight Goliath? Parce que David, because David avait déjà vu Goliath tomber. Has already seen Goliath il fall. Comment il était en train de tailler Goliath he en pièces. He saw how he was sizing Goliath into pieces. Et la vision que David avait, and the vision David had dans son esprit, in his spirit, s'est matérialisé. Become true face à Goliath. In front of Goliath. Quand tu regardes tes ennemis, when you look at your enemies, comment tu les vois? How do you see them? Géant, giant ou petit? Or small. Les espions de Canaan, the spy of Canaan, ont vu que leurs ennemis étaient plus grands qu'eux. They saw that their enemies were greater than them. Mais Josué et Caleb, but Joshua and Caleb, étaient animés d'une autre pensée. They were filled with another mind, d'un esprit nouveau, with a new spirit. Ils n'ont pas dit, they didn't say, ils sont tellement géants, they are so much great, so giant, yeux, that our eyes, at et our own eyes, yeux,
And out the eyes, nous ressemblons à des sauterelles. We are like grasshoppers. Non. No. Parce que because physiquement, physically, nos Goliaths sont géants. Our Goliaths are giants. Nos fils d'Anak sont géants. The son of Anak are giants. Nos montagnes sont géantes. Our mountains are giants. Nos factures, our bills, sont géantes. They are giants. Mais quand tu regardes avec les yeux de l'esprit, but when you look at with the eyes of the spirit, toutes ces montagnes, all those mountains, tous ces géants, all the giants, en carton, in carton, sont des sauterelles spirituelles. They are spiritual grasshoppers. Et quand tu te regardes toi-même, and when you look at yourself, par rapport à ta position en Christ, concerning your position in Christ, assis dans les lieux célestes, seated in the heavenly places, en Jésus, in Jesus, tu te vois au-dessus d'eux. You see yourself above them. Et devant tes yeux, and in front of your eyes, les factures, bills, deviennent des sauterelles, becomes like grasshoppers. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Let someone give hands to God. La stérilité devient une sauterelle. Barrenness becomes a grasshopper. La maladie devient une sauterelle. Sickness becomes a grasshopper. Écoutez ceci. Listen to this. Un jour, je voyageais. One day I was traveling. Je revenais d'un pays pour prêcher l'évangile. I was coming from a country to preach the gospel. Et là, on arrive à Bordeaux. Then we came to Bordeaux. À l'aéroport de Mérignac. To the airport of Mérignac. On nous annonce que nous sommes en train d'entamer l'atterrissage. And they say we are about to land. Et quand je regarde Bordeaux, and when I look at Bordeaux, du haut, from the height of the plane, de notre vol plané, from the height of the plane, je vois Bordeaux. I saw Bordeaux. Petit. Very small. Mais vraiment petit. But really small. On dit non, voilà, on est en train d'atterrir à Bordeaux. They said this is we are coming to Bordeaux. Je dis c'est Bordeaux. So that's Bordeaux. Bordeaux que quand je suis à Bordeaux. Bordeaux when I'm at Bordeaux. J'ai besoin de prendre ma voiture pour aller. I need to take my car. Au travail. To go to the to my job. Parce que ça paraît tellement loin. Because it's like it seems to be far. J'ai besoin de prendre un bus. I need to take a bus. Un tram. A tram. Pour me déplacer. To move. Maintenant je vois Bordeaux comme ça. Now I see Bordeaux just là, like that. À ma just portée. Like that. Just like that. Bien-aimé. Beloved. Lorsque tu étires ta pensée. When you lengthen your mind. Et que tu l'élargis. And you enlarge it. Les nations. Nations. Les villes. Cities. Deviennent devant toi. Become in front of you. Comme une simple image. Like just a simple picture. Sur une carte postale. On a postal card. Je suis en train de te dire. I'm telling you. Que extension 2014. That left from 2014. Tu tiendras tes ennemis en tes mains. You hold your enemy between your hands. Comme une carte postale. Like a postal card. Quelqu'un s'y acclame le Seigneur. Alléluia. Extension 2014. Left from 2014. Tu tiendras tes ennemis comme you hold your enemy on your hands. Comme sur une carte postale. Like a postcard. Oh, quelqu'un s'y acclame le Seigneur. Give alléluia. A hands to God. Alléluia. Alléluia. Mais tout dépend de ta pensée. Et de ta pensée. Left from your mind. Hey, je vais terminer avec ça. I'll finish with Dieu this. A donné beaucoup de choses. God gave a lot of things to every one of je you. Je vois des talents. I see talents. Je vois des dons. I see gifts. Je vois des projets. I see projects. Quand tu regardes, when you look, avec la condition actuelle, with your current condition, tu as l'impression, you have the feeling, d'avoir devant toi un vaste champ, of having a great field in front of you, et difficile à accomplir, and difficult to fulfill. Tu commences à penser, you start to think, je commence par où, where do I start pourquoi? From, why, parce que tu es à Bordeaux, because you are at Bordeaux, tu es assis chez toi, you are sitting in your tu house, tu vois la vue de Bordeaux, and you see the city of Bordeaux, tu regardes la carte, you look at the card, elle est vaste, it is great, elle est vaste, it is great big, et quand tu regardes, and when you look, de plein pied, with your feet, tu n'arrives même pas à imaginer, you cannot even imagine, l'étendue de la ville, the great place of the life, it is great. Le champ de ton ministère est vaste. The field of ministry is great. Le champ de ton entreprise est vaste. The field of your company le is great. Le champ de ton projet est vaste. Your project is great. Pourquoi? Why? Parce que tu regardes. Because you are looking la chose at the thing de plein pied with all your feet. C'est-à-dire avec les conditions. It means with the condition actuelle. With the current condition. Mais qu'est-ce que Dieu dit à Abraham? But what did God tell Abraham? Il dit à Abraham. He told Abraham. Du lieu où tu te trouves. From the place you are. Du lieu où tu te trouves. From the place you are. Lève les yeux. Lift up your eyes. Quel est le lieu où tu te trouves? Where is the place you are? La Bible déclare. The Bible says. En Jésus. In Jesus. Nous sommes assis. We are seated. Dans les lieux célestes. In the heavenly places. Au-dessus. Above. Au-dessus. Above. Au-dessus. Above. Et non en bas. And not beneath. Au-dessus. Above. Et non en bas. And not beneath. En haut. Above. Et non en bas. And not beneath. En haut. Above. Et non en bas. And not beneath. Et donc le lieu où tu te trouves. So from the place you are. En haut. Above. Regarde. Look. Regarde. Look. Regarde. Look.
Et tout ce que tu vois, and all you can see, je te le donnerai. I'll give it to you. Cette entreprise que tu vois, that company you are seeing, je te la donnerai. I'll give it to you. Ces enfants que tu attends, those children you are expecting, pour lesquels tu pries depuis longtemps, for whom you are praying since, and that you see in the spirit, depuis des années, 6 years, il te dit ce soir, he's telling you tonight, je te les donnerai. I'm giving it to you. Ce projet, that project que tu mûris, that you are thinking about, des années, 6 years, que tu vois dans ton esprit, that you see in your spirit, auquel tu rêves, you are dreaming about it, ce soir, tonight, Dieu te dit, God is telling you, regarde, look, pas de plein pied, non, not from your place, but go above, en hauteur, go on high, là où je t'ai placé, where I put you, dans les lieux célestes, in heavenly places, et une vue aérienne, has a greatest sight, si tu regardes avec une vue aérienne, and if you see with a greater sight, tout ce que tu vois, all you can see, tu le possèdes, you possess comme it, sur une carte postale, like a postcard, give a hand to God, give a hand to God. Et quand tu verras cela ainsi, and when you see that, alors comme la femme stérile, then like a barren woman, réjouir, you can rejoice yourself, allégresse, and burst in song, et en joie, and burst in joy, quand tu commences à voir tes because fils, because you start to see your son, tu commences à voir tes clients, you start to see your clients, tu commences à voir tes finances, you start to see your finances, parce qu'il a dit, because he said, les trésors des nations posséderont les portes de ta demeure, that nation will come at your feet. Clap for the Lord. Je suis venu te dire, mon frère, I came to tell you que extension 2014, that never 2014, Dieu n'est pas limité par les God's réalités humaines. Limited by human reality. Non, 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 non. Avant même qu'il t'appelle, before even he calls, avant même que tu sois né, before you are born, alors que tu t'encore qu'une masse informe, while you were without dans shape, le ventre de ta mère, in your mother's womb, il te connaissait déjà. He knew you already. Il t'avait déjà choisi. He had chosen il you. Il t'a pas choisi. He did choose you le plus du monde. Because you are the holiest of the world. Anyway, tu n'étais pas encore né. You were not yet born, on pas savoir, so they could si know ou pas. If you have sinned or not. Do you understand me? Il t'a choisi. He chose you avant que tu sois né. Before you were born. Il t'a choisi. He chose ce you. Pas toi qui l'as choisi. You are not the one who chose t'a choisi. But he chose you. Donc le choix de Dieu, so the choice of God lié is not linked to the work you had to fulfill. Le choix de Dieu, but the choice of God lié à sa grâce, is linked to his grace and to his sovereignty. Simplement. Only. Parce qu'il t'a choisi. Because he chose you. Dans he made you. He made you in your mother's womb. Pendant qu'il te tissait, where he was making il you, en toi les capacités, he was putting you ability, les potentialités, potential, les skills, les dons, gifts, les talents, talents. Et il t'envoie sur la terre. And he sent you on the earth. C'est uniquement, it's only avec cela, with that, que tu vas accomplir, that you fulfill la mission pour laquelle il t'a envoyé sur la terre. The assignment for which he sent you on the earth. Pas par tes œuvres. Not by your works. Alors étends ta pensée. So live in your mind. Extension 2014. Live in your mind. Vois les dons. 2014. Que Dieu t'a donné. See the gift God gave you. La grâce. See the grace t'a fait. He gave you. Ne regarde pas de plein pied. Don't look from the. Parce que si tu regardes de plein pied, if you look with all your tu feet, tu verras tes limites. You see your limits. Tu verras tes manquements. You see your lack. Tu verras tes faiblesses. You see your weakness. Tu verras tout ce que le diable va te montrer. You see all the devil wants to show you. Mais monte en hauteur. But go on high. Prends l'avion. Take the plane. Air Force Antifree. Air Force. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Give a hand to God. Oh, alléluia! Prends l'oiseau du ciel. Prends un vol plané. Take a plane. Avec l'oiseau du ciel. Take a plane with the et bird of heaven. Et qui est l'oiseau du ciel? And who is the bird of la heaven? La colombe. The dove. Le Saint-Esprit. The Holy et l'oiseau Spirit du ciel. Is quelqu'un ici acclame le Seigneur. Bird of heaven. Alléluia! Alléluia! Et donc si tu prends un vol. So if you take a avec flight. Air Force Saint-Esprit. Air Force Holy Spirit. À bord de Air Force Saint-Esprit. With Air Force Holy Spirit. Tu tiens le monde entier sur une carte you postale. You hold the whole world on a card. Tu tiens tes ennemis sur une carte postale. You hold your enemy on a postcard. Tes projets sont déjà aboutis. Your projects are fulfilled. Tes enfants sont en chemin. Your children are coming. Les trésors des nations sont en route pour the treasure posséder of nations are coming to possess je te dis your que les trésors des nations vont se bousculer. The treasure of nations vont se bousculer. Look for a place les devises des nations, la livre sterling, le dollar, device, l'euro, pounds, vont se bousculer euros, au port de l'entreprise. At the gate of your company. Don't look from your current situation. Some are looking at the destiny. Dans la vallée. In the valley. Dans la vallée. In the valley. Tu ne verras que l'ombre. You only see the shadow. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre. So when I walk in the
Valley of shadow. Alléluia. Alléluia. La vallée ne va jamais te révéler la réalité des choses. The valley will never reveal the reality la of things. La vallée te montrera toujours l'ombre. It will always show you the shadow. Quand tu es dans la vallée de l'ombre de la maladie. When you are the valley of the shadow of sickness. Le diable te montre l'ombre de la maladie. The devil show you the shadow of sickness. Mais ce n'est qu'une ombre. But it's just a shadow. Ce n'est pas la maladie. It's not the sickness. Quelqu'un m'a pas compris. You don't understand me. Quand tu es dans la vallée de l'ombre de la pauvreté. When you are in the valley of the shadow of poverty. Du découvert. Dans la vallée. In the valley. Le diable te montre. The devil shows you. L'ombre. The shadow. Du rouge. Of the red. Et ce n'est que l'ombre. It's just a shadow. Si tu prends ce rouge, tu le transformes en rouge du sang de Jésus. If you take that red, transform into the red of the blood of Jesus. Tu verras ce que Jésus a dit. You see what Jesus said. Il s'est appauvri. He became poor afin de te rendre riche. For you to become rich. Give a hand to God. Give a hand to God. Alléluia. Alléluia. Ne regarde pas avec les lunettes de l'ombre de la mort. Don't look with the shadow of death. Prends l'avion. Take the plane. Air Force Saint-Esprit. Air Force Holy Spirit. Décolle. Take off. Position-toi. Place yourself. Et là, regarde. And then la look. Situation que tu vis aujourd'hui. The situation we are going through today. Tu verras avec les yeux de you l'esprit. You see with the eyes of the spirit. Que c'est déjà acquis. That it is we are already won. C'est accompli. It is fulfilled. Je dis que c'est accompli. I said it's fulfilled. Quelqu'un s'acclame le Seigneur. Let's give a hand to God. Oh my God, my God, my God, my God, my God. Je vois un recrutement dans quelque chose qui ressemble à un lycée, collège, quelque chose comme ça. I see an employment in a secondary school. 2014. Tu vas enseigner. You have to dans teach un collège, dans un lycée. In the secondary school. 31 décembre 2014. 31 décembre 2014. Les autres ici. Like the other people. Tu viendras témoigner de ça. You come and testify about that. Quelqu'un s'acclame le Seigneur. Quelqu'un s'acclame le Seigneur. Quelqu'un s'acclame le Seigneur. Give a hand to God. Mon frère, comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Norbert. Qui est Célestin chez vous? Célestin. J'entends Célestin. Célestin. Est-ce que c'est un ami? Est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est un parent? C'est qui? C'est un ami. Tu l'as beaucoup aimé, hein? Tu sais, je vous dis des choses. Les frères de Joseph. The brother of Joseph. Tu connais l'histoire? You know the story? Tu as fait une erreur. You made a mistake. C'est l'erreur de Joseph. It's the mistake of Joseph. Tout ce qu'il voyait en rêve. All they were seeing dream. Il le disait à ses frères. He used to tell his brother. C'était ton problème jusqu'à présent. It has been your problem till now. Tu l'as tout confié. You trust him with everything. À tes amis. To your friends. Tout ce que tu avais, les projets. All you had the project. You used to tell them. Tu comprends? You understand? Voilà pourquoi tu as échoué jusqu'à présent. That's why you failed till now. Et pardonne à Célestin. Forgive Célestin. Et dis à Célestin. And tell Célestin. Que s'il ne se répond pas. That if he doesn't repent himself. Il rencontrera le Dieu vivant d'Israël. You meet the living God Israel on his way. C'est quand Joseph est revenu. When Joseph came back. Il a cherché ses frères. Looking for his brothers. Il a rencontré un homme. He met an angel dit, who told him, where are you going? Who are you looking for? They never said, who was that man? Il est arrivé, he came il and disappeared. Toi, tu rencontrais you met ce temps that man on your c'est way. Jésus qui Nazareth. It's Jesus Christ of Nazareth. Alors, prie pour Célestin. So pray for Celestine. Pardon ses manquements. Forgive his lack. Tout le temps qu'il a forgive all the hurt okay. He gave you. Et prie qu'il rencontre and Jésus. Pray that he meet Jesus. Tu l'as beaucoup aimé quand même. You love him c'est a lot. Acclame Jésus. Let's clap for Jesus. Alors, l'amour que tu as pour lui là, the love you have for him, you forgive him. Tu vas lui pardonner. Il y a un grand appel sur ta vie. There's a great calling on your life. Tu es né avec des dons naturels. You are born with natural gifts. Tu le sais. You know it. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. It's true. Seulement ces dons ont été mal utilisés. Only that those gifts have been misused. Tu t'es retrouvé avec des gens. You found yourself with people qui ne t'ont pas aidé. They did not help you. Cependant, les mêmes personnes. The same people qui t'ont dépouillé. They took things from you. They stole from you. Tu as perdu beaucoup d'argent. And you lost a lot of money. Tu as perdu beaucoup d'argent. C'est you lost a lot of money. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. It's true. Tu as fait des sacrifices. You made sacrifice. Tu croyais que c'était à Dieu que tu rendais un culte. You thought that you were giving a service mais to God. But it was not God. C'était ignorance. It was ignorance. Extension 2014. L'enfant 2014. Il renouvelle ton intelligence. He's renew your intelligence. Your thoughts. Tu connaîtras le véritable Dieu. And you know the true God. Tu le serviras. And you serve him. C'est pourquoi. You know why? Parce qu'en réalité, tu as un appel de pasteur. Because truly you have a calling of pastor. Tu le savais, n'est-ce pas? You knew, oui, isn't it? On a
acclame Jésus. Yes, I know it. Tu as perdu beaucoup de temps. But you lost a lot of time. Seigneur, renouvelle son intelligence. Lord, renew his intelligence. Change sa pensée. Change his mind. Change sa pensée. Change his mind. Qui est Marie-France dans ta famille? Who is Marie-France in your family? Dans tes relations. In your relationship. Maman, qui est Marie-France? Tu sais pas. Non, on va pas dire ça maintenant. On va pas dire ça maintenant. On se verra ensemble. Okay. Dieu ne condamne personne. God never condemns you. Il pardonne toujours. He always forgive. Okay. Tu le sais, n'est-ce pas? You know it. Seigneur, merci pour cet homme. Lord, thank you for this man. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Renew his intelligence. Et accorde-lui la grâce. And give him the grace. De connaître une autre dimension. To know another dimension. De la véritable vie en Christ. Of the true life in Christ. Sans mélange. Without mixing. Without mixing. Alléluia. Alléluia. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. What's your name? Bienvenue. Tu as rencontré le Seigneur? You met the Lord. Et après un moment donné, tu l'as lâché. And after you gave him up. Tu as eu des coups difficiles. You had difficult time. Beaucoup de déceptions. Many Maintenant, tu es dans une démarche. Now. Où tu veux revenir au Seigneur? We are on the way. You want to come back to the Lord totally. Parce que tu es conscient de son appel sur ta vie. Because you are conscious of his calling on your life. Et tu as pris des résolutions. Je te vois durant cette période. And you took decision while you were praying and fasting. Une confirmation ce soir. You asked her to confirm you tonight. C'est vrai ou c'est faux? Is that true or false? C'est vrai. On acclame. It's true. Let's clap for Jesus. Tu as parlé à mon esprit. Je t'ai pardonné. I forgave you. Your life will never be the same again. Tu me serviras bien désormais. You serve me, say the Lord of hosts. Only place yourself, choose a good church, and go back to your classes. Donc, je t'ai donné, je ne les ai pas retirés. The gift I gave you, I didn't take back. Je ne reprends pas de mes dons. I don't take back my gift. Je dis que je t'utiliserai. I will use you. Je vais t'utiliser en 2014. I will use you 2014. Quelqu'un s'acclame le Seigneur. Let someone give thanks to God. J'aime beaucoup les voitures. Oui, j'aime les voitures. Yes, I like cars. Tu sais pourquoi tu les collectionnes comme ça? You know why, you? Parce que simplement, Dieu. Only because God. T'a donné le goût pour les voitures. Gave you a taste for cars. Pour que tu puisses entreprendre dans ce domaine. So that you have a business in that area. Tu comprends, non? Do you understand that? Et tu le sais ça. And you know it. Tu le savais depuis. Do you know it? Oui. Yes. Oh, tu le savais? You know it? Oui, je le savais. Yes, I know it. Dieu le savait déjà avant toi. God knows before you. Alléluia. Alléluia. Et tu le confirmes aujourd'hui. And he's confirming to you today. Give a hand to God. Et je prie que tu réussisses. And I pray that you succeed. Dans ce domaine que tu in perces. That area. Tu aimes aussi le sport. Hein? Also like sports. Okay. T'inquiète pas. Don't worry. Tu seras un homme d'affaires. Okay. You'll be a businessman. Et qu'acclame le Seigneur ici. Give a hand to God. Alléluia. 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 Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Levons-nous un instant dans la présence de Dieu. Let's stand up for a while. Élargis l'espace d'attente. Coupe-le-moi, s'il vous plaît. Élargis l'espace d'attente. Enlarge the place of your tent. Étends tes cordages. Lengthen your cords. Étends tes cordages. Lengthen your cords. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Of l'extension de notre pensée of our mind, pour dépasser les limites
go beyond the limits de nos réalités humaines of our human reality et pour entrer dans notre destinée. To enter into our destiny. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Je veux voir I want to see
ta vision. Your vision. Je veux voir avec tes I yeux. I want to see with your eyes. Je veux voir mon épouse avec tes yeux. I want to see my spouse with your je eyes. Je veux voir mes enfants avec tes yeux. See my children with your je eyes. Je veux voir mon voisin avec tes yeux. See my neighbor with your je eyes. Je veux voir mon patron avec tes yeux. See my boss with your eyes. Je ne veux pas voir la personne qui m'a offensé avec tes yeux. I want to see the one who offended with another eyes. Je veux voir les personnes qui m'ont offensé avec tes yeux. I want to see all the people who offended with your own eyes. Then I will be able to forgive them. The hurt they did. To forgive them. Le mal qu'elles m'ont fait. The pain they did. Je serai capable. I'll be able. De pardonner. To forgive. De supporter. To bear. Et d'accepter. And to accept. Extension. Lengthen. De ma pensée. Of my mind. Pour dépasser mes limites. To go beyond my limits. Les murs de Jéricho. The wall of Jericho. Moi, which are in front of me. And which are hindering me to go forward and to possess the city. Which is hindering me to go forward and to overcome the country. And I see on the nation that God is raising a new dimension of faith in the church. So that the church don't look at France like being a mountain that they cannot overcome. That the church, l'église de France, the church of France, ne soit pas intimidée. Don't be intimidated by the reality actuelle, by the current reality dans la nation, in the nation. Mais que l'église de France, but let the church of France regarde, look du lieu où elle se trouve, from the place she dans is les lieux célestes, in the heavenly places. Alors elle possédera la France. Then she possess the France. Sur une carte postale. Like a, on a postcard. Et l'abomination dans ce pays. And abomination this country. Ne pourra pas freiner l'action de l'église. Cannot stop the action of the church. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. L'homosexualité. Homosexuality. Ne pourra pas freiner l'action de l'église. Cannot stop the action of the church. Oh, la libération. Immorality. Ou la légalisation de certaines lois anti-bibliques dans ce pays ne pourra pas arrêter l'action de l'Église en France. Mais chaque fois anytime que Satan, that Satan va susciter des prophètes de Baal, will raise prophet of Baal, and Astarte, Dieu oindra de Eli, God will anoint Eli Elijah, pour faire descendre le feu sur l'autel. Bring down the fire on the altar. Et Dieu va oindre son église. And God will anoint the church in France. D'une nouvelle dimension d'onction. With a new dimension of anointing. C'est l'onction d'Eli. It's the anointing of Elijah. Qui va renverser les autels de Baal. Which will break down the altar of Baal. Et le prophète Astarte. And the prophet of Astarte. Plus la situation est compliquée. More the situation is difficult in the country. Plus la puissance de Dieu. More the power of God will be great in this nation. Plus la situation est compliquée dans ta more vie. More the situation is difficult in your life. Plus réjouis-toi. More rejoice yourself. Car because la puissance de Dieu, the power of God sera plus grand, will be greater pour faire des chambres, to bring down the fire on the altar. Let someone give hands to God. Let someone give hands to God. Plus les situations sont difficiles, more situations are difficult dans ta famille, in your family. Plus la puissance de Dieu, more the power of God sera grand, will be greater. Plus la situation sera difficile, more the situation will be difficult in your company. Plus la puissance de Dieu sera grande. More the power of God will be great. Plus la puissance de Dieu sera déployée. More the power of God will be released. Pour renverser les hôtels des sorciers. To break down the altar of witches. Les hôtels des Baals. Altar of Baal. Et le prophète Astarte. And the prophet of Astarte. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Seulement élargis l'espace de ta tente. Only enlarge the place of your tent. Et tu verras que tout ce que tu vois, and you see that all you can see, n'est que sauterelle, is only grasshopper. Et le véritable géant, and the true giant, c'est toi, is you. Le véritable géant, ce n'est the pas true giant is not Goliath. Le véritable géant, ce n'est the sont true pas giant les fils à, d'Anak. Is not another son of Enoch. Mais le véritable géant, but the true giant, dans le fond, c'est toi. Of course, is you. Mais élargis, but enlarge ta pensée, your mind. Élargis ta pensée. Enlarge your mindset. Mais tu verras que tes problèmes. And you see that your problems. Ne seront plus des problèmes. Will be no more problems. Mais tu verras dans le problème. But you see the problem. La solution. The solution. Quand tu regarderas un problème. When you look at a problem. Tu ne verras plus le problème. You see no more the problem itself. Mais tu verras dans le problème la solution. But you see in the problem the solution to that problem. Élargis ta pensée. Enlarge your mindset. Extension. Lengthen. 2014. Extension de ta pensée. Lengthen of your mind. Vers ton futur. To your future. Pour accomplir ta destinée. To fulfill your destiny. Et tu l'accompliras en 2014. And you fulfill it in 2014.
Alléluia. Merci Seigneur. Thank you Lord. Élargis l'espace d'attente et je vais prier pour tout le monde. I'll pray for everybody now. Besoin de prier pour tout le monde. Simplement, vous allez lever une main vers le ciel. Only lift up one hand to heaven and the other one on Dieu your heart. Dieu m'inspire beaucoup de sujets. God inspired me a lot of subjects. Et chacun d'entre vous, vous allez vous reconnaître dans ce sujet. Every one of you recognize yourself in dans those subjects. In one of the subjects. Parce que la prière que je vais faire. Because the prayer I will make. Sera une prière prophétique. Will be a prophetic prayer. Dieu va me montrer. God will show me. Dieu va me révéler. God will reveal me. Le problème de chacun d'entre vous. The problem of every one of you. Je n'ai pas le temps de parcourir toute la salle. I don't have time to go through all the places. Et de pointer du doigt à chacun comme je l'ai fait tout à l'heure. And to talk to everybody as I did earlier on. On serait là jusqu'à 6h du matin. We'll be there till 6 a.m. if I do so. C'était juste une démonstration. It was just a demonstration. Que l'onction prophétique est dans to la show salle. That prophetic anointing et is que in Dieu the hall. Connaît chacun dans les moindres détails. And that God knows everybody voilà in details. Voilà pourquoi il a pointé certains. That's why he talked to some comme people personally. Montrer. Just to show que l'onction prophétique est ici. That the prophetic anointing is here. Élargis l'espace de ta tente. Enlarge the place of your tent. Et je vais prier pour le peuple de Dieu. And I'll pray for the people of God. Thank you, Lord. Commence à prier. Commence à prier. Start praying. Commence à rendre grâce à Dieu pour cette parole. Start giving thanks for this word you receive. Commence à élargir ta pensée. Start to enlarge your mind. Affermi tes pieux, tu t'étendras de part et d'autre, tu t'étendras de tous côtés, ta descendance prendra les nations et peuplera les villes abandonnées. L'espace de ta tente, élargis ta pensée, étends tes cordes, vois au-delà des réalités, see above reality, tes pieux, see above reality, Lord. Tu t'étendras de part et d'autre, tu t'étendras de tous côtés, ta descendance prendra les nations, your children will be greater. Fais-de-moi un instrument pour ta vision, Seigneur. Fais-de-moi un instrument pour ta vision, Seigneur. Pour ta vision. For students in this place, et dans les différentes familles ici représentées, and the different families represented here. Si les temps d'autrefois, if times of before, ont été marqués, has been marked par des échecs, by failure. Si les temps d'autrefois, les réalités de la famille, if past time the reality of the family, ont montré qu'il y avait de la sorcellerie, show that there were witchcraft, et qu'il y avait, and that there, des malédictions, there were curses. À partir de ce soir, from tonight, nous déclarons que ces choses sont brisées. We declare that those things are broken. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Et nous prions. And we que pray tu ouvres les yeux de tes enfants. That you open the eyes afin of your children. Qu'ils aient une autre perception. So that they have another side de vision. Leur condition. Of their condition. Qu'ils se regardent plus comme des enfants qui sont nés. Let not look themselves dans at children who are born. Où il y a de la sorcellerie. In a family where there is witchcraft. Et que leurs études sont bloquées à cause de cela. And that their studies are hindered because of that. De but let them look beyond. Au-delà. Let them look beyond. Extension de leur pensée. Left
renewing of their minds. Et qui se projette en 2014. And they project themselves in 2014. Et qui se voient en train d'obtenir and leur they diplôme. See themselves having their degree. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Nous déclarons sur les we étudiants. Declare on students. Une année de faveur. A year of favor. Une année de réussite. A year of success. Par extension. Through life. Dans leur futur. In their future. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Ce qui était impossible en 2013. What was impossible in 2013? Devient possible en 2014. Becomes possible in 2014. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Élargis leur intelligence. Enlarge their intelligence. Augmente leur mémoire. Increase their memory. Élargis l'espace de leur mémorisation. Enlarge the place of their mind. De leur intelligence. Of their intelligence. Père, nous prions aussi. Father, we also pray. Pour tous les entrepreneurs. For all the businessmen. Chefs d'entreprise. Head of company. Porteurs de projets. Carry of projects. Prophétiquement. Prophetically. Nous déclarons. We declare. Une année féconde. A fruitful year. Une année fertile. A fruitful year. Une année de faveur. A year of favor. Dans leurs entreprises. In your companies. Si 2013. If 2014. A marqué leurs activités. Mark their activity. De chèque et de stérilité. Of failure and barrenness. Tu ouvres leurs yeux dès ce you soir. Open the eyes from tonight. Et ils peuvent commencer à se réjouir comme la femme stérile. And they can start to rejoice like the barren woman. Et ne plus regarder leur condition de stérilité. And no more look their condition of mais barrenness. Mais de voir leurs enfants en chemin. And see their children come. Leurs clients. Leur marché, their market, et d'élargir leur pensée, and enlarge their mind, extension de leur vision, level of their vision, et qui se projette en 2014, and let them project themselves 2014, et qui se voit prospère, and see themselves prosperous, prospère, prosperous, au nom de Jésus, in the name of Jesus, nous proclamons la bénédiction de l'Éternel, we proclaim the blessing of the Lord, sur tous les entrepreneurs, on every businessman, chef de projet, head of project, chef d'entreprise, head of company, au nom de Jésus, in the name of Jesus, nous prions Seigneur au Dieu pour la réconciliation au sein des familles, we pray for reconciliation in families. Si 2013 a été marqué par des disputes, if 2013 has been marked by quarrel, by division, par des violences, by violence, par des querelles, by quarrel, des mésententes, des rancunes, des rancœurs. Nous appelons une saison de réconciliation. We call a season of reconciliation. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. En 2014. In 2014. Nous déclarons la paix. We declare peace. Au sein des familles. In families. La paix. We declare au nom de peace. Jésus. In the name of Jesus. Nous prions pour tous ceux qui sont malades. We pray for all the people who are sick. Et qui ont été criblés par la maladie. And who has been touched by the sickness. Depuis 2013. Since 2013. Nous déclarons. We declare. Que 2014, that 2014 c'est l'année de la cessation, is the year of the stop de toute maladie of corps, every sickness in your body. 2014 by extension sera pour vous, will be for une you année de guérison, a year of healing, divine healing, une année de guérison au nom de Jésus, a year of healing in the name of Jesus, une année de santé divine, a year of divine health au nom de Jésus, in the name of Jesus. Recevez votre miracle. Receive your miracle. Recevez votre miracle. Receive your miracle where you are. Recevez votre miracle. Receive your miracle. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Seigneur, je prie. Lord, I pray. Pour les femmes stériles. For the barren woman. En réalité. Truly. Humainement parlant. Humanly speaking. Je déclare. I decree. Que si 2013. That if 2013. A marqué leur vie. Mark their lives. De féminité. Of barrenness. De stérilité. Of barrenness. 2014. 2014. Par extension. By infant. Sera l'année. Will be the year. De l'enfantement. Of giving birth. Pour ces femmes. For those women. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Et le 31 décembre. And the 31st of December. 2014. 2014. Plusieurs femmes. Many women. Qui étaient stériles. Who were barren. Dans cet endroit. In this place. Et même ceux qui nous regardent à la télévision. And if the one who are watching us. Viendront témoigner dans ce lieu in this place que Jésus that Jesus leur a donné des enfants. Gave them children. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Père éternel, Father Lord, nous prions we pray pour les enfants. For children. 2013 a été marqué has been marked par un esprit by a spirit qui a criblé les enfants who touched the children de maladies, of sicknesses, d'épidémies, of mais aussi d'enlèvement d'enfants but also dans ce pays. In this country, beaucoup d'enfants ont été enlevés. Many children ont have been taken, tués. Stolen, has been killed. 2014. Nous refusons ce phénomène. We refuse that dans le nom situation de Jésus. In the name of et Jesus. Nous prenons tous les enfants. And we take all the children. Nous les plaçons
dans le sang de Jésus, sous la couverture du sang de Jésus, et nous déclarons la santé divine sur la vie de ses enfants. Au nom de Jésus, nous prophétisons une année de succès dans leurs études, une année de bonne santé, une année de croissance. Ils grandiront, ils croîtront en stature, en sagesse et en grâce. Au nom de Jésus, et l'Esprit de Dieu va influencer ses enfants depuis leur bas âge jusqu'à leur croissance pour conduire leur cœur à l'Éternel des armées. Au nom de Jésus, et plusieurs de ses enfants deviendront des grands footballeurs, des grands ingénieurs en informatique, great engineer in computer science, grands médecins, great doctor, grands avocats, great lawyer, grands hommes d'État, great men of state, grands réconciliateurs, médiateurs d'État, great mediator of state. In the name of Jesus. 2013. Nous avons commémoré la mort d'un héros de l'histoire. We saw the death of a hero of the story. Et politique. Political hero. De l'Afrique du monde. Of the Africa of the world. Mandela. His name was Nelson Mandela. I prophesy que de ses enfants, that from his children germeront, who come des successeurs, other people followers, et le Nelson Mandela, and next Nelson Mandela. In the name of Jesus of Nazareth, ils vont révolutionner, they will change leur nation, their nation, leur pays, their country, par de nouvelles idées, through new ideas, des idées innovantes, new ideas, dans les domaines de la in vie, all area of life, au niveau social, in social au area, niveau politique, political au niveau area, economic, economic au area, scientific, scientific au niveau area, sportif, in sports, et même au niveau religieux, and even in the religion, au niveau ecclésiastique. In the church, from the children who come out, the future ministers, next ministers, and preachers of the gospel. Des pasteurs, pastors, des évangélistes, evangelists, des prophètes, prophets, des docteurs, doctors, des apôtres, apostles. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Let someone give hands to God. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Hands to God. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Satan, Satan, tu n'auras pas la vie de ses enfants. You have the parce que la children. Même manière que Dieu a caché Moïse. The same way God had Moses. Parce que Moïse avait une grande destinée. Because Moses had a great de la même façon, Dieu cache ses enfants. The same way God il les cache God dans le sang de Jésus. The il les cache Jesus. Sous l'ombre de ses ailes. Under the shadow il les cache à l'ombre de sa présence. Under his presence. Il les cache. Il les cache afin qu'ils accomplissent leur destinée. Quelqu'un s'y acclame le Seigneur. Give your hands to God. Alléluia. Et ils croissent sous l'influence de cet esprit. They will grow up under the impact of the Holy Spirit. Et j'aimerais prier. Now I'd like to pray. Pour terminer. To finish. Pour l'église. For the church. L'église de Christ en France. The Church of Christ in France. On a dit la France. With the c'est un France pays. Is a country qui enterre les ministères. Who bury c'est le cimetière de l'évangile. It's a cemetery of the gospel. Mais moi je dis. But me I say. Plus la situation est compliquée en France. More the situation difficult in plus France. Plus le diable inspire des lois qui favorisent l'abomination. Devil inspire law that bring abomination. Plus la gloire de Dieu sera grande. More the glory of God will be great. Il a dit si les temps d'autrefois. He said if the past time. Ont couvert de honte et de propre. Cover you with shame. Les temps futurs. The future time. Te couvriront de gloire. Will cover you with glory. For the Lord, darkness will not be forever. Let's lift up our voice and pray for the church in France. Let's pray for the church in France. We are in the prayer night for the new year. It's a prophetic breakthrough. Let the Jesus Christ of the church stand up. Lift up your voice. Whatever you are, lift up your voice. Et prions pour l'église de France. Hold yourself by hand and let's pray for the nation. Let's pray for the church in France. Nous prophétisons. We prophesy. Un temps de réveil sans précédent. A time of revival. Nous déclarons. We declare. Le prophète de Bar et d'Astarté ont régné. Dieu suscite et ouvre des églises animées d'un esprit nouveau. Revêtus des manteaux de puissance qui font descendre le feu du ciel pour consumer l'autel au nom de Jésus. Et ces choses vont se produire en France. Plus la situation est compliquée, plus la gloire de Dieu sera grande, plus sa puissance sera déployée. Il va oindre ses serviteurs.
Il va les équiper. Il va les équiper davantage. Il va leur donner des dons de puissance plus tangibles. Des dons de puissance plus tangibles. Des dons prophétiques plus tangibles. Je équipe l'église à un niveau supérieur. Je équipe l'église à un niveau supérieur. Un manteau puissant. Un niveau de puissance imprécédent. Tombe sur l'église. Tombe sur l'église. Tombe sur toi. Tombe sur toi. Tombe sur toi. Mandale prochain. Alléluia. Beaucoup parmi vous sont issus de familles. A lot of you came from où la sorcellerie a ravi ou a ravaché. Witchcraft took. A servi. J'entends dans mon esprit. I hear in my spirit. Ce soir. Tonight. Dieu dépose sur toi. God is putting on you. Un manteau de puissance. A mantle of power. Pour détruire les œuvres de ténèbres. To destroy the work of darkness. Au sein de ta famille. In your family. 2014 sera pour toi. 2014 will be for you. Une année d'explosion. A year where you explode. De puissance. Of power. Dans ta vie. In your life. Dans ta famille. And your family. Et tu verras les autels de Baal. And you see the altar of Baal be broken. Au son de ta prière. At the sound of your prayer. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. J'entends mon esprit. I hear in my spirit. À l'instant maintenant. At this moment. Je vais oindre des prophètes. I will anoint prophets. Et des prophétesses. And prophetesses. Tenez-vous prêts. Be ready. Tenez-vous prêt. Be ready. Hey. Be ready. Hey. 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 La situation est compliquée dans ta famille. Situation difficult in your family. La situation est compliquée dans ta maison. It is difficult in your house. La situation est compliquée dans ce pays. It is difficult in this country. J'entends Dieu me dire. I hear God telling me. Je vais oindre mes enfants. I will anoint my children. D'un niveau d'onction de puissance. With a level of power. Sans mesure. Without measure. Préparez-vous. Prepare yourself. Préparez-vous. Prepare yourself. Levez vos mains. Lift up your hands. Levez vos mains. Lift up your hands. Parce que le manteau va tomber. Because the mantle will fall. Le manteau va tomber. The garment 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 will fall. Recevez. Receive. Recevez au nom de Jésus. Receive in the name of Jesus. Dieu fait tomber un manteau de puissance. God is making fall a mantle of power on his servants et sur ses servants ce and soir. On the servant tonight. Il vous équipe. He's equipping pour you entrer en 2014 to enter 2014 dans la puissance d'Élie. In the power of Elijah. Dans la puissance d'Élie. In the power of Elijah. Pour renverser les autels to de Baal. To break down the altar of Baal. And I started. Dans vos familles. In your family. Dans vos couples. In your couple. Dans vos maisons. In your houses. Sur la vie de vos enfants. On the life of your children. Dans vos projets. In your projects. Dans vos entreprises. In your company. Recevez le manteau. Receive the mantle. 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 His anointing. His anointing. His anointing. His servant. His servant. Il a dit. He said. En ce temps. In those times. Je répandrai. I will release. Mon esprit. My spirit. Sur toute chair. On every flesh. Vos fils. Your son. Et vos filles. And your daughter. Who prophesy. Vos jeunes gens. For your young men. Vision. Who have vision. Et vos vieillards et sœurs. And your old men who have night vision. They have night vision. The anointing of God came. The anointing of God fell. In the place. The anointing of God came. The mantle is falling. The mantle is falling. I see coming down. On evangelists. Je le vois tomber. I saw it coming. Sur les pasteurs. On pastors. Je le vois tomber. I see it coming. Sur les intercesseurs. On intercessors. Je le vois tomber. I see it coming. Sur les prophètes. On prophets. Et les prophétesses. And prophetesses. Et vous reconnaîtrez cela. And you know that. Parce que l'onction de Dieu est en train de toucher ces personnes. Is touching those people. Au moment où je parle. While I'm speaking. L'onction de Dieu traverse la salle. Elle traverse la salle. Et touche ces personnes. And touch those people. Équipe de travail. Working tenez-vous prêts. Be ready. Parce que l'onction de Dieu est en train de parcourir la salle. Touch et touche ces personnes. Les touche. Les touche. Les touche. Des chanteurs. Des musiciens. Musicians. Mandatés. Et revêtus des manteaux prophétiques sont en train de te toucher dans la salle. Des prophètes et des prophétesses sont en train de toucher dans la salle. Hey! Amenez-les-moi. Amenez-les-moi ici. Amenez-les-moi ici. L'onction prophétique est en train de tomber. Recevez. Le manteau de puissance. The mantle of power. Le manteau prophétique. The prophetic mantle. His anointing. Ses serviteurs. His servants. Et ses servantes. D'un manteau de puissance. Of the mantle of power. Sans précédent. Il équipe l'église. Il équipe la church. Il équipe l'église. He's equipping the church. Pour 2014. For 2014. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini.
L'enceinte ne parcourt la salle. Yeah, no, it's going through the wall. It's going through the wall. En arrangeant de gauche, en arrangeant de droite, en face de moi. Oh, aidez-les. Commente mon micro. Shabala sakaraba sakaraba. Aidez-les. Là où tu es debout, tu sens comme un courant, qui traverse ton corps. C'est le courant de l'onction. He's anointing you. Pour 2014. For 2014. Tu vas pas entrer en 2014. 2014. You cannot enter the same mountain. No. You will not enter 2014. In 2014. With the same clothing. Il te refait. He's clothing you again. Il te refait. He's clothing you. 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 Come on. Yes, for your name. Pour briser les œuvres de ténèbres dans cette nation, pour confondre les dieux de Baal,
l'Astarté, pour confondre les idas et pour détruire la puissante abomination. Il oint les pasteurs, il oint les évangélistes dans cette nation, il oint les apôtres, il oint les prophètes. Une nouvelle dimension de puissance. Revenue dimension of power. Et prophétique anointing. La France sera secouée. France will be shaken. In 2014. On va connaître des choses. We will know things that we never knew before. Les églises vont être remplies. Church will be filled. Parce qu'il va se produire des choses extraordinaires. Because extraordinary things will be produced. Des malades seront guéris. Sick will be healed. De façon massive. In a great number. On ne parlera plus de guérison. We speak no more about some healing or rare miracle. On va rentrer dans le surnaturel. Enter the supernatural. Et the church of Jesus Christ will be clothed with the mantle of power at the church level. An evil time of worship. Sick will be healed. Cancer will come out from bodies. Tumor will break. Lips will stand up and walk. Et les églises seront fondées. And church will be filled. Si autrefois, if the, before, on a connu les grandes églises, les new great church, qu'en Afrique, only in Africa, or in America, je vous dis prophétiquement, prophétiquement, I'm telling you, 2014, in 2014, l'année, be the year explosion of explosion of big church in this nation. Because the Lord is doing a great work. He's bringing the harvest. He's bringing the harvest in the church. He will attract souls and he will fill the churches. Because he will take people from the hell and bring them in heaven. For Jesus Christ is at the gates. Jesus Christ is at the door. Jesus is coming very soon. He's at the door. Now we enter in the harvest of the last season. The harvest of the last season. And for that, God is releasing, deploying his army. He said, in those last days, in those times of the end, I will spread my spirit on every flesh. He spread the anointing in the church and the pastor, apostles, all the ministry will be anointed. Churches will be filled. You are watching on the TV. Man of God, prepare yourself. You pray a lot. You fasted. You look for the face of God. The time of explosion of your church has come. Enlarge the place of your tent. Start to make room. Because you have a problem of place to receive the quantity of people, of members that God is sending. Give hands to God. Très saint, ton nom. 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 Il y a encore d'autres personnes que je vois qui ont été saisies dans la salle. Très saint. Donc, ce Dieu est tombé sur vous. Vous avez ressenti quelque chose dans votre corps. If there are not enough God to fall on you and you felt something on your body, if you felt like a cold or a heat for someone, il équipe son église. He's equipping his church. Je vais seulement mentionner. C'est que vous avez reçu. I will see what you receive. And your life will not remain the same. Si d'autres fois on couvert ta vie de honte, ton nom est très saint. De mépris, d'humiliation, par extension 2014, les temps futurs te couvriront de gloire. Une lumière, je vois une lumière sur ton visage. Car ton nom est très saint. Un jour nouveau qui s'élève sur toi. Il est su, tu es là. Il enlève la honte. Il te repositionne. Il te repositionne. Il te revêt d'un vêtement nouveau. Il te donne un nouveau plumage et tu prends un nouvel envol comme un aigle qui s'envole sur l'ouest. Reçois l'onction pour cette année. Au nom de Jésus, déterminé sera fait la même. Va avec la force que tu as donnée et va conquérir ton héritage. Au nom de Jésus. Tu entends quelque chose comme des sifflements. Dans ton oreille, ok. Il ouvre tes oreilles, tu entendras des choses. En fait, il te prépare un mystère prophétique. Lève tes mains, lève tes mains. Il ouvre ton entendement spirituel. Il t'équipe pour 2014. Tu ne feras plus d'erreur dans tes choix. Il te parlera, tu entendras. Tu seras choisi ce qui est bon, agréable et parfait. Tu seras fait la distinction. Et Dieu te conduira. Il t'instruira. Il te montrera le chemin à suivre. C'est pour ça que tu entends tes oreilles siffler. Parce que le Seigneur est en train d'ouvrir tes oreilles pour que tu entends sa voix. 2014 sera l'année où tu vas expérimenter l'écoute du Seigneur. Tu entendras clairement sa voix te parler. Et tu sauras que le Seigneur te parle.
parle, il existe, il parle en nous. Nous sommes le grand Dieu prophétique, et ta bénédiction sera plus jamais la même que Jésus. Ton nom est grand dans ce moment, sur le puissant, ton nom est sur le puissant de la prière, de l'intercession, oh, dans la dimension de l'intercession en faveur des nations, en faveur des Israël, en faveur de la relation avec l'Israël, avec l'Église aujourd'hui, qui t'inspire, qui t'utilise dans cette dimension. Au nom de Jésus, ta bénédiction. Chargement. Reçois la grâce de Dieu sur ta vie. 2014, une année de grâce, de bénédiction, de santé divine. L'échec derrière, la réussite au temps de ta maison. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Utilise-la, Seigneur. Utilise-la. Chaînes qui tombent, Dieu relâche la grâce. C'est ton année. 2014, j'entends, c'est l'année de la conquête. C'est l'année de la victoire sur tes ennemis. Reçois la grâce de Dieu. L'année de la justice. Il avait dit que nous, il te fait justice. Il est ton avocat. Là où on t'a accusé, il te justifie. Et tu viendras témoigner ici pour cela. Une année de concrétisation de tes rêves. Alléluia. Et une année de percée. J'entends cela dans mon esprit. Plus la même. Délivrance, restauration, reconstruction dans ton homme intérieur. Que ce soit la grâce de Dieu. Amen. Une année de percée, de rayonnement et d'éclat. Où il te sort de l'ombre et te positionne à ta place dans le corps de Christ. Voilà ce que j'entends. Que ce soit la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Une année de. Seigneur. Merci Seigneur. Année d'explosion. Année d'explosion. Explosion des dons et des grâces que tu as donné. Explosion des talents. Explosion de puissance. Explosion dans ta vie spirituelle. On ne te reconnaîtra pas. Ça va aller très vite. Sur la grâce de Dieu. Une année de rachat. De rachat. Il rachète le temps perdu. Rachat. Il t'utilise. Laisse-toi utiliser davantage. Au nom de Jésus. Ton nom est Dieu. Année de guérison. Il te sort de là où tu as été emprisonné. Et ça va être l'année de concrétisation de tes rêves. La formation que tu es en train de faire sera pour rendre par un succès. Je te demande de faire une formation. Okay. Tu fais une formation sur moi. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Alors cette formation, c'est une formation professionnelle. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Ok. Dieu qui m'a montré ces choses, te dit que cette formation, c'est lui qui t'a ouvert les portes. Et rien ne pourra t'arrêter. Dans le domaine médical, tu vas t'investir et tu vas réussir dans ce que tu as de faire. Ok? Je te demande de faire comme un ambulancier. Ok? C'est vrai ou c'est faux? Ce projet d'investir dans ce domaine et d'avoir ta propre structure d'ambulancier se concrétise en cette année 2014. Et 2014, le 31 décembre 2014, tu viendras témoigner de la concrétisation de ces prophéties. J'espère que vous les notez. Notez bien les prophéties. Quand je dis cela, c'est daté. Je le dis. Et vous verrez 2014, ce temps viendra tourner ici. Quelqu'un acclame le Seigneur. Il y a des gens qui sont en train de buter. Je vous donne rendez-vous le 31 décembre 2014 pour venir simplement vérifier que ce que Dieu a dit ce soir, c'était la vérité et que c'est Dieu qui parlait. Que ce soit la grâce de Dieu. Je suis guérison, délivrance, changement, restauration. Au nom de Jésus. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Il a commencé une œuvre de délivrance en toi. Il va l'achever. La colère est en train de partir. Tu comprends? Il met l'amour en toi. 2014 sera l'année de la transformation pour toi. Non pas extension de ta pensée. Projette-toi déjà. Ne te vois pas la femme actuelle qui a du mal à pardonner. Ne te vois pas la femme actuelle qui a des colères, qui a la violence. Ne te regarde pas comme une femme qui est mal au dedans d'elle. Projette-toi dans 2014 par extension de ta pensée. Vois-toi comme Dieu dit que tu es en réalité. Et tu le seras, tu le deviendras. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Que soit la grâce de Dieu. Et ta bénédiction sera pour la gloire. On acclame Jésus. Alléluia. Alléluia.
C'est dans 5 minutes, nous basculons en 2014. In 5 minutes, you are going to 2014. J'aimerais simplement proclamer la faveur de Dieu. I would like to proclaim the favor of God in your life. Levez vos mains vers le ciel. Lift up your hands toward heaven. Et quand je vais finir, and when I'll finish, avec un chant de réjouissance. They'll start with a song. Je crois qu'après ce sont les offrandes, c'est ça. Pendant ce temps, vous venez donner vos offrandes. And after the offering time. En faisant un vœu. By making a vow. Un vœu. A vow for 2014. On a la frontière là. We are the frontier, the border. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Que toutes les paroles prophétiques. Let all the prophetic words. Qui ont été déclarées ce soir. Which has been declared tonight. Sur ton peuple. On your people. Prenne forme. Take, come to pass. Et s'accomplisse en 2014. And fulfill 2014. Afin que le 31 décembre 2014. So that the que vraiment cet endroit soit rempli de témoignages. This year be filled with pour la gloire de ton Saint-Nom. For the glory of your holy name. Il y en a que tu as touché. Some God touched them. Qui sont venus ici devant. They came in front. Il y en a que tu as touché. Some depuis leur chaise. God touched them since their place. Ton onction a traversé la salle. Your anointing touched them. Et a recouvert ce lieu. And covered this place. Et a traversé les ondes des médias. And covered through media. Et a touché les nations à travers le monde. And touched nations. Le 31 décembre 2014. 31 décembre 2014. Je vois beaucoup de témoignages. I see a lot of testimonies. Les guérisons. Of healing, les femmes qui enfantent, women des entreprises who give qui prospèrent, des jeunes gens qui réussissent dans leurs études, young ladies with their studies, des gens qui vont témoigner des choses extraordinaires. People testify extraordinary things. Mais par-dessus tout, Seigneur, but above all, Lord, je te demande la santé. I ask you for donne-leur la santé. Give them health. Pour qu'ils soient capables d'accomplir ces choses. For them to be able to fulfill those things. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. La paix. Peace. L'amour. Love. L'harmonie. Harmony, la joie dans la joy famille, in the family, réconciliation, reconciliation, dans le nom de Jésus, in the name of Jesus, l'amour de Dieu le Père, may the love of God the Father, the grace Jesus, of Jesus Christ our Lord, communion du Saint-Esprit, and the communion of the Holy Spirit soit avec vous en abondance. Be with you in abundance. Dès maintenant, from now, et durant tout au long de l'année 2014, and through all the year 2014, dans le nom de Jésus, in the name of Jesus, nous avons ainsi prié. We have prayed. Amen. 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 Alléluia. Alors, rejoignons-nous et donnons pour la gloire de Dieu. Amen, amen. Et quand il sera minuit, alors le groupe Louange, la conductrice va nous donner le signal et nous allons faire bonne année pour la gloire du Seigneur. Amen, amen. Notre Dieu est un Dieu fidèle. Alléluia. Nous pouvons être reconnaissants ce soir pour ce qu'il a fait dans nos vies. Il est notre Seigneur et notre Dieu. Alléluia. C'est pourquoi nous pouvons apporter avec joie dans sa maison et bénir son Saint-Nom. Alléluia. Emmanuel ne change pas.